Ils en ont ras-le-bol de les voir s'installer où ils veulent en toute impunité. Un député part en guerre contre les gens du voyage et leur implantation sauvage. Sa proposition de loi sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Le constat est simple. Un maire est sanctionné s'il n'a pas d'aire d'accueil. En revanche, si les caravanes se mettent ailleurs qu'à l'endroit prévu, eh bien les élus ont toutes les peines du monde à les faire partir. Yannick Moreau trouve que la procédure est longue. Il veut donc que ça change. Dans le droit en vigueur, il faut au moins une semaine pour obtenir l'expulsion, pour obtenir un arrêté d'expulsion. Mais une semaine d'illégalité pendant lesquelles vous avez des troubles à l'ordre public. Et si vous dépassez la vitesse autorisée sur l'autoroute, vous êtes sanctionné immédiatement. Si vous occupez le terrain d'autrui et que vous le privatisez dans votre intérêt, vous avez le droit d'y rester 8 jours. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Nos compatriotes ne le supportent plus. Ça donne lieu à un tel climat d'exaspération que moi je crains le drame.